Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Insane Valhalla, la suite de l'épisode précédent, tout de suite. Let's go. Qui va réussir à me suivre? Aide-moi, deviens mes yeux. Yo les gens, nous sommes de retour sur Assassin's Creed. Donc on doit accompagner Unwold à la maison commune. Alors il est où? Où c'est Unwold là? Il est en fou. Allez, je saute. Rien à foutre. Voilà, hop. Tac. Je dois redoubler de prudence par ici. Ok, ça va me faire de la fight, ça. Je vais te pendre par les boyaux. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Mais qu'est-ce qu'il... Merci. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? C'est pas possible. Wesh. Bon. Le truc, c'est qu'il faut qu'on aille à 100 mètres. Vas-y, go. Déjà, est-ce que tu peux... sauter ça? Oui. Ok, bon. Non, faut qu'on monte à 130 mètres. Tu vas venir. Sauter ça? Bon. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux sauter ça? Non. Ok. Bon, viens. On va tenter autre chose. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour passer ici? Oh oui. Que vois-tu, ma vieille amie? Bien sûr. Et monte. Monte ta race. Mais où est-ce que tu vas? Viens, 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 fais pas le con.
Putain, il peut même pas grimper. Oh le con. Montre-moi. Y'a pas un autre endroit? Oh mais ça va être trop chiant en fait. Mais non, faut vraiment que je passe par là. Oh, j'ai vraiment pas le choix. Super. Bon. Bah écoute. On va l'accompagner. Allez, viens, viens, viens. Fais pas ton guignol. Déjà, on va faire un truc. Voilà. Bon, prudence avant tout. Allez, suis-moi, suis-moi. Suis-moi. Mais viens. Oh mais c'est pas possible. Oh mais c'est une horreur ce mec. C'est une horreur cette mission. Ok, vas-y, vas-y. Hop, hop. Ok. Il est où ? Passé où? Mais il est pas... Mais... Voilà, allez, viens là, viens, 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 voilà. Saute. Ah, nickel. Ok, on passe par là-bas. Allez, ça, tu peux sauter, ça. Voilà, nickel. Là, tu descends. Nickel. Je dois buter les deux gardes là-bas, pas le choix. Lincoln semble un bon endroit pour le commerce. Le marché regorge de marchandises. Oui, probablement. Nous n'avons jamais manqué de rien chez mon père. Du pain, des volailles et toutes sortes de fruits des champs. J'imagine que c'est là que nos serviteurs les achetaient. Nous okay. avons profité de la prospérité de Lincoln. Tu sortais souvent de chez toi, Umval? Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de... Ah, j'ai pas le choix. Faut vraiment que je passe par là en fait. Ok, je vais débuter. Je vais très vite. Eh ben, c'était assez compliqué quand même, hein. Pas se mentir. Ok. Du coup, ouais. Atcha, Erefrit, annoncez au seigneur Unbeort que son fils est de retour. Unwald, tu es en vie. Bizarre. Seigneur Unwald. Ah non, c'est surtout lui. Tu aurais lui. Dû nous prévenir de ton retour afin d'éviter tant de violence. Des vies auraient été épargnées. Pourquoi un tel étonnement de me revoir, évêque? M'aurait-on déclaré mort? Oh, pire encore. J'ai le douloureux devoir de t'apprendre qu'on te disait perdu au nord, accouché avec du danois dans une piteuse ferme. Wow. Je n'ai aucune patience pour les insultes et les rumeurs. Nous sommes venus parler avec Unbeort, et c'est tout. Voilà. Clarinette. Le seigneur Unbeort est parti, j'en ai peur. Il n'a pas dit où, mais je suis certain qu'il va bientôt revenir, une fois bizarre, que la tempête lui, sera passée. De quoi est-ce que tu parles? Quelle tempête? Ton père craignait pour sa vie, Unwald. Affaibli comme il l'était, il n'aurait pas pu se défendre. Surtout pas face à un Danois. Comment oses-tu? Eivor est au-dessus de tout soupçon. Mets-toi à ma place, Unwald. Oh non, il est bizarre. Tu arrives à un moment curieux, accompagné d'un viking en armes, et tu exiges de voir ton père.
À mes yeux, cela ne présage rien de bon. Ouais. Si je voulais vous tuer, vos cervelles seraient déjà en train de sécher sur ces pierres. Bonté divine, quelle violence! Dieu vous a sûrement réservé une place dans son grand œuvre, païen, mais j'avoue ignorer laquelle. Unwald, ton père a séjourné un temps dans mon hospice, mais il a décidé d'en partir sans un mot. C'est tout ce que nous savons. Bizarre tout ça. Allons, Abbess. Nous devrions laisser le jeune seigneur à ses pensées précipitées. Nous n'avons rien d'utile à ajouter. Sois prudent, mon garçon. Ouais. Il y a un truc qui se passe. Reste dans ces murs. Tu y seras en sécurité. Je vais aller voir ce que je peux apprendre sur ton père. Ouais. C'est mieux. C'est préférable. Si mon père a passé du temps dans cet hospice, ceux qui y travaillent savent peut-être quelque chose. Ah, c'est Essaie de leur parler. Et tente de découvrir la vérité. Bon. Ok. Alors... J'ai des points de compétences à mettre. J'ai des points de compétences à mettre. Alors... Quand as-tu vu l'Elderman pour la dernière fois ? Laisse-nous. Ce n'est pas à toi de poser de telles questions. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est... Ah ok, donc c'est ça l'image. D'accord. Et lui alors, lui là, bizarre. Ton dieu peut parler à travers toi, Erefrit ? Il peut me dire où est ton Elderman ? Notre seigneur n'est pas un chien dressé à parler sur commande. Bonté divine. Tu as l'air bien songeur. Eivor, je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Je te serai éternellement redevable. Tu me devras un serment de sang quand nous en aurons fini. De sang ? Grand Dieu. Attends ici mon retour. Allez, bon. On va aller là-bas. On va aller fouiller l'hospice. Bien évidemment, ils vont pas me laisser rentrer gentiment. C'est qui ça ? Salut à toi. Tu veux en savoir plus sur la région ? Ouais, pourquoi Mes pas, Mes informations ouais. valent bien un peu d'argent, crois-moi. Vas-y. Oui, d'accord. Bon, montre-moi ta carte. Il y a un endroit, là. Ouais. Bizarre tout ça. Bon. Pas le temps à perdre. Alors, on part ouvert. Le père de Unwald s'est fait soigner ici récemment. Quelqu'un l'a peut-être vu partir. C'était sûr. Ici aussi, j'imagine. L'autre côté c'était doit être sûr. Barricadé. Allez, let's go. Sais-tu où est ton Elderman ? Je peux te dire une ou deux choses, mais pas ici, à la vue de tous. Suis-moi. Vas-y, je te suis. Ouais, il s'enfin. Elle me dit suis-moi. Eh, j'espère que c'est pas un piège. Pas un piège. Elle a l'air de se diriger vers les soldats, là. Hey, qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Nous sommes suffisamment à l'écart. Ok, ça va. Dis-moi ce que tu sais. Oh, sur notre Elderman, une infinité de choses. Je sais ce qu'il aime manger, quand on change son linge, et qu'il déteste qu'on lui pose des sangsues sur le corps. Ok. C'est intéressant, non ? Mais où est-il passé ? Ah, où ? Je n'en ai aucune idée. C'est ce que tu voulais me demander ? Mais la loi, celle-là. Oublions. Mais elle est à l'ouest, celle-là, en fait. C'est toi la responsable des sœurs ? Oui.
Et je ne peux pas dire que te voir armé de pied en cap soit un spectacle rassurant. C'est un hospice ici, pas une salle de garde. Comme si cela ne suffisait pas de devoir travailler sous le regard de ces crétins en armure. Je ne te ferai rien, ni à ceux que tu soignes. Je cherche simplement ton Elderman. Je risquerai ma tête en te parlant. Et si on me la tranche, ces blessés et ces malades me suivront dans la tombe. Super. Ton Elderman serait d'accord. Alors plus tôt je le trouverai, plus tôt ces gardes quitteront ton hospice. Ce serait une bonne chose. Notre seigneur se portait mal. Et son état s'aggravait, malgré nos efforts. Alors, en dépit de mes instructions, des gardes l'ont emmené. Et je les ai entendus parler de bain. Mais il n'y a pas de tel lieu à Lincoln. Alors, je me suis dit qu'il parlait des ruines au sud d'ici, près des murailles d'Est. Ah oui, d'accord. Des ruines au sud. Je vais aller voir, merci. Oh, c'est rapide, en vrai, je l'ai trouvé rapidement. Il a besoin d'être soigné. Oh, je l'ai trouvé assez rapidement, en vrai, je trouve, hein, quand même. Ça va, ok. 100 mètres, bon, c'est facile. Qu'est-ce que... Rapide et efficace. Ce n'était pas malin de laisser ces nobles de Mercy se servir de tunnel, si tu veux mon avis. Que voulais-tu qu'on fasse? Au moins, ils vont nous laisser tranquilles. Ils ont tué l'un des leurs. Qu'est-ce qui les empêcherait de nous briser aussi le crâne? Ah parce ouais. Parce qu'ils ont peur de nous, d'accord? Ils savent qu'on n'est pas des idiots. Ah, c'est bizarre ça en fait. Rappelle-toi, Dieu punit ceux qui veulent du mal à... Je t'écoute. Du mal à qui? Hein? Pardon, j'étais ailleurs. Quoi? Seigneur Jésus, on ne peut pas dire que tu aies été touché par la grâce, toi. Ah, c'est là-bas. Ok. Nice. Oh, ça va être plus simple que prévu. Oh, je l'ai fait à la mode assassin, là. Ah, et par contre... J'ai oublié une étape, là. Ça passe crème. Ces tunnels sont profonds. L'Elderman aurait-il fui vers une cachette en dessous de Lincoln? Ok. J'avoue, elle est grande cette grotte là. Ok. Ah, c'est bizarre tout ça. Hein. Ah, faudra plonger. Ah, peut-être pas. Ok. Wow. Ok, je déconne, ces petits pièges de merde là. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Ouais, vaut mieux, ouais.
On pille le coffre, on fouille, on se casse. Oh, oh, il a volé carrément. Qui a monté lui? Ah, il change de place. Mieux vaut aller voir. Voilà. Simple, efficace. Titan, nice. Ah bon, on va fouiller cette partie là, parce que je crois qu'il y a pas mal de trucs à prendre. Il y en a plein ici. Il me semble qu'il y avait un coffre là-bas, non? Ouais, voilà. Ok. Qu'il y a une clé là-bas. Comment tu vas là-bas? C'est marrant ça. Bon. Je pense qu'il faudrait qu'on se barre d'ici en fait. Enfin, faut qu'on aille de l'autre côté. Un truc, c'est pas possible, parce que si c'est pas en bas, s'il y a pas d'endroit par là, ici tu peux aller nulle part. Il y a sûrement un truc, on doit sûrement aller. Attends, peut-être en haut, tout en haut? Ah, peut-être. Ouais. C'est vrai que j'ai pas vu tout en haut. Oh. Oh. Là, on a quoi?
120 mètres, il y a des escaliers. Ok. Apparemment, il y a des escaliers ici. C'est bizarre. Mais il n'y a rien ici en fait. Mais c'est bizarre. Ok. Alors, c'est peut-être... J'ai peut-être raté un endroit là-bas. Mais je suis un ouf. C'est là en fait. Je suis très con. Voilà. Let's go. Wow. On s'est battu ici. Affrontement entre des nobles et des bandits qui n'a pas tourné à l'avantage des brigands. Ah ouais. Ah oui. Ok. Une cape de noble ornée d'un signe. On dirait que l'Elderman est passé par ici. Ok, donc ça se continue là-bas. Ah, apparemment il y a un autre signe là. Il faut une clé, j'imagine. D'accord. Je connais une porte scellée qui brûle de rencontrer cette clé. Voilà. Tac, tac. On monte en mode incognito. Bang, bang. Allez hop. J'aime bien quand c'est rapide comme ça. S'il n'y a pas une, un truc de ouf qui va nous attendre après, ouais. Alors. Un saxon qui n'a pas donné son nom, une demande de libre passage à travers les égouts. Une somme très bien, ce qui m'amène à penser qu'il veut acheminer inaperçu une chose de très grande valeur. Insiste afin de voir de quoi il s'agit avant d'explorer. C'est la chose, je suis de le prix s'il a postulé. Un noble saxon a payé des bandits pour pouvoir emprunter ses tunnels et rejoindre le château de Bolingbrock. Ah ouais, très très bizarre ça. Des nobles de Mercy ont passé un marché avec des bandits. Ils les ont payés pour pouvoir se faufiler dans ces grottes. Ah ouais. Ensuite, les bandits ont tendu une embuscade aux nobles. Mais ça s'est mal fini pour les brigands. Et dans la lutte, la cape de l'Elderman a été déchirée. Mais il s'en est sorti et est parti à l'est vers le château de Bolingbrock. C'est ma meilleure piste. Ok. On se casse. De l'air frais. Ok. Cinq cents mètres. Je viens de rentrer normal comme si de rien n'était. Déploie tes ailes, Sénine. Ok. Donc il est à l'intérieur de ce château. Ah, il a une clé lui. Ok.
Allez, vas-y, viens. Je le bute. Nice. Voilà, viens, t'inquiète. Ça va bien se passer. C'est ça. Des ennuis qui s'annoncent ? Allez, viens. Quelqu'un pourrait se cacher dans le fourrage. Cette fois. Lâche ! Quoi ? Faire. Et voilà, ça aurait l'air pas de cloche sonner, frère. Y'a rien ici? Ok, y'a rien.
Ok. Ah, c'est une sacrée grande forteresse quand même. Ouais, ça rigole pas trop. Oh là, je suis bien, franchement. Franchement, je fais bien les choses là. Entrer dans le donjon. Tout est couvert d'or et d'argent à l'intérieur. D'accord. Et ne te montre pas trop que... Ces affaires-là, ça ne te regarde pas. J'ai tous éliminé hein. Que je revois là que c'est où? C'est là. Ok. Allez. Je suis sur la bonne piste. Ce donjon est bien protégé. Je me demande vraiment à quoi on peut bien servir ici. Après tout, Beorn peut très bien se garder tout seul. Il est malade, laisse-le tranquille. Et puis on est plutôt bien ici. On peut chasser le gibier de Lindsay et les catas de Bottlestone. C'est vrai, tu as raison. L'inaction ne me vaut rien. Rapporte-nous de la bière, on ira dépecer quelques bêtes plus tard.
Ok. Je prends feu. Non. Au moment de prendre feu. Ok. J'ai collecté un truc, je sais même pas c'est quoi. Attends, je vais voir si j'ai rien d'autre ici. Ok. Je prends. Je vais reprendre les flèches. Wesh, c'est quoi ce délire? Et voilà, monseigneur. Tout est préparé. Wesh. Êtes-vous prêt à être lavé? Hein? Qui est là? Bienvenue, étranger. Tu es venu rendre hommage à notre seigneur Elderman? Voilà, depuis combien de temps? Ce biscuit est rassis depuis un moment, la sœur. Quand est-ce que l'Elderman est mort? Mort est un mot bien définitif. Je préfère voir mon seigneur comme transformé. Wow. Ce n'est pas faux. Te faut-il quelque chose? Pourquoi avoir caché la mort de ton Elderman? La population du Lincolnshire a le droit de connaître son sort, Unvald le premier. Jusqu'au moment opportun. Lorsque j'ai demandé qui a donné de tels ordres, on m'a frappé. Je ne puis en dire davantage. J'ai vu ce que je voulais voir, mais Unvald voudra une preuve. Bien sûr, fouille librement dans ses affaires. Mais je ne peux te dire quel objet pourrait te satisfaire. Je trouverai quelque chose. Des herbes et des baies, séchées et réduites en poudre. Le délai entre le départ de Monseigneur et ses funérailles est plus long que de coutume. Monseigneur... Oh, c'est chaud quand même. C'est sûr, ça, c'est les... Les Templiers, c'est sûr. Des vêtements moisis. Et une broche ornée d'un blason. La maison du cygne féroce. Cela fera l'affaire. Je vais rapporter cette broche à Unvald, à Lincoln. J'espère que cette triste nouvelle ne l'éprouvera pas trop. Ah bah c'est sûr que ça va l'éprouver, hein. Tu m'étonnes. Ok. Bon, bah ouais, c'est triste. Hein. Je sais pas comment il va le prendre, mais c'est très triste. Trop stylé. Allez, hop. On va aller le voir. Le pauvre, franchement, il va être dégoûté. Hein. Ils ont caché sa mort et tout. Trop triste. Eivor, quelles sont les nouvelles? Ton père, il est mort. Ah ouais. Hein? Quoi? Le sceau de la maison d'Unbeort. Je l'ai trouvé près de sa dépouille. Non. Non, c'est impossible. Il était fort. Un pilier du Lincolnshire, il ne peut pas être mort, il... Oh, mon pauvre garçon, je suis triste pour toi. Je suis un homme, Atcha. Tu entends? Je suis un homme et le fils de mon père. Ne l'oublie jamais.
Ouais. Je vais pas dire du calme, c'est mort. Cela fait un certain temps qu'il est mort. L'état de son cadavre en témoigne. L'un de vous en sait plus qu'il ne veut bien l'avouer. Ouais. Ça c'est clair. Je suis désolé, Unwald. J'avais demandé à un prêtre d'administrer les derniers sacrements à ton père avant sa disparition. Comment ça ? Si je ne te l'ai pas dit plus tôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait survécu par miracle. Tu m'as menti ! Espèce de crétin pleurnichard ! Tu ne grandiras donc jamais ! Que Dieu ait pitié de cette femme. Elle aurait dû parler plus tôt. C'était son devoir de s'exprimer. Ouais, bizarre tout ça. Hein. Unwald était le fils d'un Elderman. Va-t-il prendre la place de son père ? Le titre n'est pas héréditaire, mais il peut plaider sa cause devant une assemblée du comté. Le roi Cheowulf devra ensuite ratifier la décision. Explique-moi comment fonctionne cette assemblée. Il s'agit d'une réunion de seigneurs. On la convoque de temps à autre pour décider de la direction à suivre. Ouais. J'ai toujours eu l'intention de réunir cette assemblée. Mais entre les troubles à Lincoln et les attaques de bandits, la repoussée cinétique s'est avérée commode. Quelqu'un dans le comté veut la mort de Unwald. Si je dois constituer une armée pour éviter que cette réunion soit une embuscade, je le ferai. Cette assemblée est placée sous le signe de la loi et le regard de Dieu. Unwald et toi ne craignez rien. En dehors de Unwald, qui prétendra au titre d'Elderman ? Pardonnez mon arrogance, mais j'aimerais proposer mon nom. Ouais. Sous ma conduite, le comté a connu une certaine paix ce mois-ci. Je me présenterai aussi. Ma famille a des liens très anciens avec ces terres. Et je suis fier de dire que j'ai noué des amitiés avec les Danois du Nord. Bien, bizarre. Les prêtres vont annoncer dans tout le comté la tenue de l'assemblée. Nous allons la convoquer d'ici quelques jours. Trop bizarre tout ça. Rends-moi visite sur mon domaine, Eivor. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose qui devrait te plaire. Je tâcherai d'y penser. Eivor, un mot si tu le permets. Ce mot est-il chrétien ou païen ? Oh, je regrette profondément mon si piètre accueil lors de notre rencontre. Je ne t'ai pas traité ainsi que l'ordonne mon Dieu, avec bonté et amour. L'amour n'est pas un sentiment qui se commande. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir résolu ce mystère. J'espère que tu seras présent à l'assemblée. Ouais, je vois... Tout ça, maintenant que la mort de Unbeor est débruitée, les ennemis de Unwald risquent de frapper à nouveau. Tout ça, c'est très très bizarre. Honnêtement, tout Akshay ça, c'est très très bizarre. Je ferai bien de la suivre. Acha, où est Unwald ? J'ai tenté de le réconforter, mais il m'a repoussé. J'aime ce garçon, crois-moi. Mais je crains ce qui se passerait s'il prenait le titre de son père. Il est fragile et cervelé. Je l'ai vu chevaucher vers le nord, le long de la voie romaine. Vers le vieil arbre où il passait souvent du temps avec son père, j'imagine. Unwald t'aimait comme une parente, et tu lui as menti. À ma manière, j'essayais de le protéger. Oh, Saint Cuthbert, donne-moi la force. Serment et bière fonctionnent mieux que tes prières et tes saints. Ouais. Je dois implorer le pardon de mon Dieu. Le Seigneur relève les doux. Allez, on y va là-bas. Let's go. Okay. On est arrivé. Alors. Avec nos arcs, le pauvre. Le lapin et l'écueil. J'ai bien lancé. Eivor, quelle agréable surprise. Tu veux boire avec moi ? Unwald. Oh, le pauvre. Il est pas fait pour être roi, lui. C'est ça le problème. Mia ! Assieds-toi. Viens avec moi un moment et contemple. Contemple la vue.
Ressaisis-toi, Unwald. Beaucoup dans tout le Lincolnshire sont prêts à payer pour voir ta tête au bout d'une pique. Ils peuvent bien attendre un peu. Ouais. Ne te complais pas dans le chagrin. Ne succombe pas à la peine. Mais laisse l'amour filial diluer l'hydromel de tes yeux et te mener au triomphe. Oh, est-ce que c'est beau? Mon père t'aurait beaucoup aimé. Il appréciait ce qui manie aussi bien l'épée que le verme. Il avait un grand cœur et adorait son peuple. Je crois que je l'aurais aimé aussi. Lui et moi, on avait l'habitude de venir ici. Il m'emmenait chasser. Oh, le pauvre. Et quand il m'arrivait de tuer quelque chose, c'était tout petit et pas vraiment comestible. J'étais un chasseur exécrable. Mais il s'est toujours dit fier de moi. À chacune de nos chasses. À lui. À toi, Unwald. Tu as le cœur rempli d'amour et les yeux pleins d'espoir. Peu de gens peuvent en dire autant. Eivor, je sais pas comment... Allons, Seigneur. Tout va bien. Skål. Skål. Voilà. Et alors mon père a dit... C'est la bonne chèvre, mais pas le bon côté. Ma Swanborough adore cette histoire. Elle a vraiment le sens de l'humour. Elle aurait plu à père. Oui, ton amoureuse danoise. Elle a l'air très bien. Un peu trop pour être vrai. Tu sais quoi? On devrait aller la voir. Oui, allez à Grimsby. Grimsby. Oui, oui, oui. Pas un instant à perdre. Après toi? Eh bah. Il est beau l'arbre quand même. Très stylé l'arbre. Rien de tel que boire et chevaucher pour avoir raison de ses tracas. Et du contenu de son estomac. Allons, viens. Et profite de la splendeur de mon comté. Vous, les Saxons, vous avez la splendeur bien plate. Et les montagnes, les fjords profonds comme l'entaille d'une hache faite par un géant. Les hautes cascades, fumantes, jusqu'en hiver. La neige étincelante, comme un lit de joyaux. La voilà, la splendeur. Eh bien, si ton pays est aussi splendide... Pourquoi venir en Angleterre ? Rien ne pousse sur un lit de joyaux. Bien dit ! Je veux bien le reconnaître. Vos campagnes sont d'une rare beauté. Il est vrai. Il est vrai. Ouais. J'adore ces terres. Et si je parviens à marcher dans les pas de mon père, je ferai tout pour les protéger. Je sais que beaucoup me trouvent insouciant et inexpérimenté. Mais j'aimerais qu'on me juge sur mes espoirs d'avenir, et pas sur mes erreurs passées. Si c'est à la ça. Tête de cette contrée, je me montre notoirement incapable, qu'on me fasse honte et qu'on me punisse, mais qu'on m'accorde cette chance. Par Dieu, qu'on me l'accorde. Ouais, j'espère qu'on fera tout pour que... pour qu'il réussisse, hein. Qu'est-ce que c'était ? C'est un bon quand même. Les oiseaux, Eivor ! Personne ne leur a dit que c'était un jour de deuil. Chut ! Silence. Arrête-toi. Quelque chose ne va pas. Je trouverai ce danger avant qu'il ne nous trouve. Eivor ! Je transpire de la tête aux pieds. Ne me laisse pas ici. Silence. Reste calme. Guide-moi, Sinéad. Baissez-vous
Ils sont tout prêts. Toi ou bats-toi, Ulvan! Vite! Tu vas crever! La force t'en échappé. Tu vas nourrir les asticots. Nice. C'est la deuxième fois qu'on tente de te tuer, Unwald. Et qu'on échoue. Par chance seulement. Mais si tu ne te montres pas plus prudent, ils réussiront. Quelqu'un de Mercy veut ta mort. Et est prêt à tuer tous ceux qui tenteront de l'empêcher. Oui. Ouais. Y compris ma chère Swanborough, ma bien-aimée. Allez, dépêchons-nous. Je suis sérieux, Unwald. Tu m'entends? Oh, éclair! Suis-moi! Unwald, tu es certain que cet endroit est sûr? C'est le plus sûr de la contrée. Oui, j'ai l'occasion de porter le titre d'Elderman. Mais je dois encore faire mes preuves. Envers toi, le comté et elle. Je ne pourrais rien sans ma très chère dame. Tu m'as fait réaliser à quel point la stupeur qui m'a frappé m'a amené à la négliger. Il faut que je voie ça de mes yeux. Ok, putain, ça a l'air chaud. Hein. Ils veulent tous ça, cette... Heureusement, j'ai un sixième sens. Hein. Parce que sinon, il serait déjà KO. Hein. Déjà mort, même. C'est elle. Ah oui, il a pas bon goût. Hein. Ah, aussi, ça va, les mignonnes. Je te croyais mort. Pourquoi ne m'as-tu pas fait prévenir? Mon absence a duré bien trop longtemps, mon petit bijou. J'en suis bien marié. C'est bon, l'amour. Crois-moi. La mort. Je vais bien, mon amour. J'ai un peu dépéri sans toi, mais la santé est bonne. Dis-moi, qui est-ce? Ah, oui, je suis fier de te présenter Eivor, du clan du Grand Corbeau. Bonjour, Eivor. Ravi de te rencontrer. Moi aussi, Swanborough. Je ne savais pas trop quoi penser des histoires de Unwald, mais te voilà. Cela t'étonne de voir une Danoise auprès de lui? Pas vraiment. Plutôt de voir un Saxon auprès de toi. Unwald a le talent de savoir se faire aimer de tous. Eivor a accepté de m'aider à retrouver mon père. Mais ça ne s'est pas aussi bien passé que je l'espérais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est mort. Apparemment d'une cruelle maladie. Et il a fini inhumé dans une cave. Oh, c'est bizarre. Mon père, je suis désolée. Quelqu'un de ton comté tient à s'assurer que Unwald suivra son père dans la tombe. Qu'il essaie. Je lui trancherai la gorge. Une assemblée va bientôt se réunir. Unwald devrait rester ici, loin de tous, jusqu'à ce qu'il y participe. Et si j'oubliais tout ça, mon amour? Si j'oubliais le titre de mon père, si je restais ici avec toi, rien que nous deux? Non, Unwald. Ce comté doit être dirigé avec cœur et bravoure. Suis les traces de ton père et mène ce comté comme il l'aurait fait. Bien sûr. La force qu'il te manque, Swanborough te la porte. Écoute son conseil. Oui,
Si quelqu'un peut me donner courage en vue de l'assemblée, c'est toi, chérie. Entre et prends un peu de repos, mon amour. Porte-toi bien, Ivor. Et merci. Bon, je sens que ça va pas être de tout repos. Hein. Veille bien sur lui. On a cherché à le tuer, et plus d'une fois. Ma lame le protégera. Ah ça, je n'en doute pas. Et ce sera tout pour cet épisode, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, tchuss!